Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Monsieur Nourdine Oubali, champion du monde WBC. Bonjour Nourdine et merci beaucoup de nous accorder cette interview. Salut Guillaume, tout va bien et de rien, tu sais, faut savoir aussi donner un peu de son temps et aussi montrer un petit peu à tous mes fans ce qui se passe vraiment, réellement derrière un boxeur. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est intéressant de leur faire savoir les conditions d'avant-combat. Ben exactement, donc là ça y est, là t'es aux États-Unis, t'es à quelques jours de tout combat. Comment ça se passe cette Fight Week? Parce que j'imagine que pour toi c'est là pas du tout semblable à tout ce que t'as vécu précédemment. Évidemment, c'est pas semblable. Le monde a été impacté par la crise sanitaire et le sport encore plus. Et aujourd'hui, on a dû sans cesse s'adapter. On devait faire le combat il y a un an en arrière. Aujourd'hui, on y arrive, mais on est encore toujours dans l'incertitude, car il y a toujours les tests Covid à faire et il faut qu'on prie pour que je sois négatif, mais aussi il faut que mon staff soit négatif, mon adversaire soit négatif, son staff soit négatif. Donc, c'est vraiment des paramètres qui sont très compliqués et ça nous prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut partir là, faut partir là. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais en même temps, on va dire, j'ai les mêmes conditions que mon adversaire, donc on s'adapte. Et toi, justement, tu te sens comment là? Est-ce que tu es, après le combat qui a été justement avorté l'année dernière, là où tu dois attendre les résultats du test Covid, est-ce que tu es quand même dedans ou c'est un petit peu compliqué de te dire faut pas que je m'investisse trop non plus parce que potentiellement il pourrait y avoir une mauvaise nouvelle? Non, je suis pleinement concentré sur mon combat. Je sais que le combat, normalement, on a pris tout, aussi bien ma team que la team de mon adversaire, on a pris les précautions nécessaires pour pas être testé positif. Si on a fait toutes ces préparations et tous les tests qu'on a eu entre-temps, on a été négatif. Je pense que là, toutes les personnes qui sont dans notre entourage sont négatives, donc il n'y aura pas de surprise. Mais en même temps, on n'est jamais à l'abri de rien, donc on reste toujours focus sur l'objectif, mais en même temps, on fait attention aussi aux gestes sanitaires. Et là, justement, donc tu es en Californie. Est-ce que tu te sens peut-être un petit peu en terre ennemie là? Parce que c'est vrai qu'en 2019, tu avais une année complètement folle. 3 combats pour le titre, bien évidemment, autant de victoires. À chaque fois à l'extérieur, la rebelote en 2021. Est-ce que c'est un peu ça? Est-ce que ça te motive justement d'être dans des conditions comme ça? Oui, ça me motive, car on sait très bien que les victoires gagnées à l'extérieur sont plus valorisantes. Et surtout, je sais qu'aujourd'hui, je boxe une légende des petites catégories. Et aussi, c'est surtout que je sais que lui, il est en terrain conquis, il est chez lui. C'est peut-être un Philippin, mais il vit à Las Vegas. Et on sait très bien qu'ici à Los Angeles, c'est une très, très grosse communauté philippine. Donc lui, il va être soutenu. Donc, je sais que je serai voilà, moi et mon staff contre tout le monde. Mais en même temps, c'est ce qui me donne envie de marquer encore mon histoire et montrer aussi la voie à tous ces boxeurs qui rêvent de devenir un jour champion, que tout est possible. Et on n'a pas, comment dire, l'obligation de boxer à domicile pour gagner. Et là, ça fait 2 ans donc, que tu es champion. Tu parles de ce fameux objectif d'unification. Tu affrontes Nonito Donaire là, dans la nuit de samedi à dimanche à 4h du matin, diffusé en France sur RMC Sport. Un tueur à gages, tout simplement. Qu'est-ce qui t'a fait choisir cet adversaire-là? Comment est-ce que ça s'est passé? Parce que vraiment, sur le papier, tu vas cocher une nouvelle case pour tamponner le statut de légende Nourdine Oubali, quoi. C'est bien ça. Donc, Nonito Donaire, c'est pas nous qu'on l'a choisi spécialement. C'est la WBC qui me l'ont imposé. Mais en même temps, je prétends être le meilleur poids coq et je veux aller avoir ma chance d'être champion du monde unifié. Donc, ça passe par des grands combats. Comme les combats précédents, j'ai fait des grands combats et quand je suis devenu la première fois champion du monde, j'ai été détrôné un Américain chez lui aux États-Unis face à un boxeur légendaire parce que Rocky Warren, c'est le seul Américain à avoir fait 3 fois les Jeux Olympiques. Il avait été champion du monde avant. Donc, tout le monde pensait que Warren allait gagner. Mais moi, j'ai toujours été confiant. Je suis toujours préparé de manière spécifique et déterminée pour,
pour aller chercher ce titre. J'ai été le chercher, je l'ai défendu. Et aujourd'hui, c'est face à un futur Hall of Fame, montrer que Nordine Nwabali a battu un grand nom de la boxe. Donc, Warren, ça m'a fait monter de ça m'a ça fait ça m'a fait monter d'une marque, ça m'a fait monter de statut. Mais là aujourd'hui, badge d'honneur, ça va me donner encore dans une autre dimension, et ça va me, on va dire, aux yeux du monde entier, Nordine Nwabali sera un vrai prétendant à aller chercher l'unification, car beaucoup entre guillemets me sous-estiment, car on sait qu'en France on n'a pas le soutien, j'ai pas le soutien que je mérite, et on n'a pas la communication qu'il faut pour vendre le boxeur. Mais comme je dis, c'est sur le ring que ça se passe, donc ça se passera samedi. C'est exactement ça. Là, justement, avec ce combat-là, je pense que ça va t'ouvrir de nouvelles portes. J'ai lu, écouté les interviews que tu avais accordées à nos confrères américains. D'un côté, lui, il parle d'un potentiel chaos qui va t'infliger. Toi, tu t'attends à un combat hyper animé. Est-ce que quelque part, tu vois, le fait d'avoir pris cette longue pause, c'est peut-être, en fait, en soi, une bonne chose? Parce que là, on peut s'attendre à un combat ultra animé quand même pour samedi. Évidemment, car il y a de l'envie des deux côtés. Donc lui, il a envie de continuer à essayer de chercher un titre supplémentaire, et en même temps se dire pourquoi pas refaire une revanche face à Inoue Inoue. Donc lui, je sais qu'il est motivé, il a envie, et je sais qu'il va tout donner, car il sait très bien sur 12 rounds, c'est compliqué de me battre. Et moi, je sais très bien que j'ai la force qui est de mon côté, je suis plus puissant que l'unité d'honneur. Évidemment, c'est un boxeur qui est dur, il est dur au mal, il prend les coups, donc faudrait être vigilant. Mais moi, je sais comment je vais le boxer, et je sais que ça va être un gros combat. Donc c'est ce que les fans attendaient, c'est ce qu'on va leur offrir, car je sais qu'il s'est bien préparé, je me suis bien préparé, et on va donner au public ce qu'ils attendent, un grand combat. Et comme tu l'as dit justement, futur Hall of Famer, bien évidemment, d'honneur. Là, il est quasiment chez lui. C'est diffusé sur Showtime aux États-Unis. Est-ce que toi, avec ton staff, là, vous avez vraiment, vous voulez mettre un point d'orgue à ce que ce combat n'atteigne pas, n'aille pas à la limite, justement, au bout des 12 rounds, parce que ça pourrait, avec les juges, être particulièrement, je ne vais pas le dire être en ta défaveur, mais tu vois, là, ça peut vraiment plus que jamais être en terre hostile, finalement. C'est en terre hostile, mais en même temps, je suis le champion, comme je l'ai dit dans les interviews. Je suis le champion, et aujourd'hui, je ne suis pas challenger. Donc après, il faut remettre les choses à leur place. C'est mon numéro un de la catégorie, et évidemment, on va faire en sorte de gagner le combat. Mon objectif, c'est de gagner le combat. Évidemment, s'il y a l'opportunité de gagner le combat à la limite, on abrégera le combat, mais tout en étant vigilant, car ça reste un boxeur très dangereux, et il ne faut pas se précipiter. Même s'il est touché, on a très bien vu face à Inoue Inoue, il a pris des sacrés coups, et à la fin, il y a un moment, il a quand même fait vaciller Inoue Inoue au 7e round, je pense. Et il aurait pu l'abréger le combat, mais il n'avait pas l'énergie nécessaire pour continuer. Et Inoue a su revenir et a su récupérer de ces coups qui lui ont fait mal. Donc on sait qu'il fait partie des grands boxeurs, et aujourd'hui, il en a toujours sous la semelle. Donc c'est aussi ça qui fait que ce combat m'anime, car je sais que c'est un combat qui va marquer ma carrière. Et en même temps, c'est aussi pour ça que j'aime la boxe. Exact. En tout cas, moi, vraiment, j'ai hâte d'être à samedi. Là, toi, tu es dans une situation où tu vois, c'est un peu, je parlais la semaine dernière avec Vassil Lomachenko. Et justement, là, les gens n'ont pas trop envie d'en parler parce que toi, je pense que dans cette situation-là où, bah voilà, tu es aujourd'hui, tu es le Français qui est champion du monde WBC, mais ils ont pas envie de t'affronter les autres. Là, il y a Inoue qui revient le 14 juin. Il y a Rigondo aussi qui va boxer au mois d'août. Est-ce que toi, tu prévois là justement de te dire, bon, bah les gars, moi j'ai envie de. Bah, je rêve d'unification. Et tu vois, vraiment marquer ton territoire avec le combat qui arrive samedi. Et pourquoi pas être un peu plus vocal sur ce que tu as envie de faire pour la suite. Évidemment, ce combat-là va m'ouvrir des grandes portes. Donc, en gagnant le combat avec la manière, Nordine Nwabali va changer complètement son statut au niveau international, et même au niveau français. Car en France, même si on n'a pas cette culture du sport, on n'a pas cette culture de la boxe, du noblard, ça va quand même faire beaucoup de bruit, ça va faire du buzz, et ça va donner de la motivation à tous ces boxeurs qui ont envie aussi un jour de devenir champion.
leur montrer c'est possible et battre des grands champions, c'est possible. Je l'ai démontré par le passé et je vais encore le démontrer samedi en gagnant une victoire avec la manière. Et surtout, c'est sûr que Nibali va changer de statut après ce combat. Ça, c'est sûr. Et tu penses déjà là justement à la suite, après cette année 2020 qui a été blanche pour toi, est-ce que tu te dis, bon bah là tu vas combattre justement donc samedi, ensuite t'aimerais bien, t'as une date à laquelle t'aimerais bien revenir, est-ce que tu penses déjà à ça ou pas pour l'instant? Non, pas pour l'instant. Là, je reste stay focus sur l'objectif. On va dire, on met pas la charge avant les bœufs. Donc, c'est chaque combat par combat. Et après le combat, je vais discuter avec mon staff, qui est mon entraîneur et mon manager MTK Global pour éclaircir les choses. Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce qu'il est possible de faire? Et surtout, ce qui est le meilleur deal pour moi, pour ma carrière. C'est tout ça aussi. Après, c'est même aussi l'aspect financier qui va pencher. Parce que faire une unification, il faut qu'après, financièrement, ça en vaut le coup. Car faire une unification, mais si les choses ne suivent pas, c'est pas intéressant. Le but, c'est que tout soit aligné pour que les deux boxeurs y trouvent leur compte et donnent le meilleur de soi-même. Et globalement, là, ta catégorie aujourd'hui, les poids coqs, j'ai l'impression, moi en tout cas, que là, ça y est, tu vois, là, c'est vivant, tout le monde affronte tout le monde, et petit à petit, tu vois, on va dire, le tournoi, là, les têtes commencent à tomber. Est-ce que toi, tu trouves que par rapport justement à 2019, l'année où tu as été hyper actif avec ces trois défenses, enfin, quand tu as gagné la ceinture, puis les deux défenses de ceinture, est-ce que tu trouves aussi que là, c'est particulièrement intéressant cette période-là? Évidemment, c'est intéressant car les boxeurs ont aussi envie et ont la vocation de vouloir faire les unifications. Donc, ce qui est intéressant pour le public et pour moi en tant que boxeur, c'est de chercher le plus de titres possible et de continuer à marquer mon histoire. Donc, j'ai déjà fait des sacrés records historiques et là, continuer à aller boxer en main event aux États-Unis, pas beaucoup de Français l'ont fait et boxer une légende telle que Nonito d'honneur, je ne sais pas s'il y en a déjà eu des Français qui ont boxé des boxeurs avec autant de titres à leur actif. Donc c'est juste continuer à marquer l'histoire, mais marquer aussi l'histoire de la boxe tricolore et montrer à tous ces jeunes que dans la vie, tout est possible. Avec le travail, on a toutes ces chances et après, faut pas avoir peur de travailler et il faut pas se cacher derrière faut pas se cacher derrière des excuses, tout simplement. Et j'ai quelques dernières questions pour toi. À chaque fois, je te pose cette question-là. Mais quand est-ce, parce que là, la France nous regarde finalement, quand est-ce qu'ils pourront te voir boxer en France? Parce que bon. Ok, je te laisse terminer, mais c'est juste pour te dire que nous, malheureusement, on voulait boxer en France, mais c'était en période Covid, on devait boxer en mars. On avait fait en sorte que tout soit aligné pour qu'on puisse boxer. Et malheureusement, c'est tombé à l'eau, même pas un mois avant le combat. Moi, j'étais en D'accord. préparation, j'avais préparé mon combat, on avait fait venir des sparring, on avait dépensé de l'argent pour se préparer et à la fin. Il y a eu un quiproquo dû au Covid et tout ça. Donc après, malheureusement, c'est la faute à personne. C'est la faute à la crise sanitaire, mais elle est pour tout le monde. C'est mondial. Et le plus dur dans tout ça, c'était de rester motivé, de continuer à s'entraîner, même malgré que tu ne sais pas quand tu boxes. Mais en même temps, cette période-là va me rendre que plus fort. Que plus fort, car si aujourd'hui je suis là, c'est que je suis animé par mon objectif et je veux continuer à marquer mon histoire. C'est pour ça que je suis là et j'ai cet objectif d'aller chercher cette unification. Si je n'aurais pas cette envie au fond de moi, je pense que j'aurais arrêté car moi, j'ai dépassé plus que mon rêve que je voulais. Donc j'ai été champion puis j'ai défendu mon titre. Donc aujourd'hui, je suis fier de ce que j'ai fait, mais en même temps, je sais que j'ai la capacité et j'ai l'opportunité d'aller chercher ce que personne n'a fait mondialement. Personne n'a jamais été chercher les quatre titres. Et ça serait marquer vraiment l'histoire du Noblard, mais mondial, et pas que l'esprit tricolore. Oui, bah c'est ça. Bah là maintenant, tu es dans d'autres, bien évidemment, dans d'autres sphères. Mais est-ce que pour l'instant, là, on va dire quand tu auras le retour du public et retour à la normale, donc ce serait possible que toi, tu boxes en France, donc? Si tout est aligné, je pense que quand on veut, on peut. Donc après, si en France, on a vraiment envie et tout est aligné, c'est peut-être possible, mais après, faudra se réveiller de bonne heure, ça c'est une réalité. Mais Là tout est là. possible dans la vie, tout est possible. Quand on veut, on peut. Et quand on veut pas, on trouve des prétextes, des excuses, c'est très bien.
Donc la France, ça reste un pays riche, donc on a la capacité de pouvoir organiser de gros combats. Ce n'est pas un combat de poids lourd où l'on parle en je ne sais pas combien de millions. Donc ça reste faisable, mais en même temps, il faut que ça soit. Faut que, on va dire, tous les partis ont la volonté de pouvoir effectuer une défense de titre en France, tout simplement. Bon bah d'ici là donc faudra se lever tôt pour organiser le combat, mais aussi se lever tôt pour te voir parce que c'est à 4h du matin que tu vas boxer dans la nuit de samedi à dimanche. Toute dernière question, quel est ton pronostic pour ton combat? À quoi peut-on s'attendre? Alors. Moi, je pense que c'est un combat engagé, comme engagé, et ça m'étonnerait pas que ça termine avant la limite, car des deux côtés, ça va se fighter. Donc, je sais que ça va frapper des deux côtés. Après, c'est l'intelligence du ring. Donc, à moi d'être plus intelligent et de pas tomber dans son jeu. Mais je sais que avec ma puissance de frappe, je peux très bien placer son premier KO, et ça serait une fierté pour moi, car il a jamais perdu avant la limite. Donc, battre Nuno Tudonner avant la limite, et je serai le premier à le faire, ça marquerait vraiment le territoire et montrerait à tous mes autres prétendants que Nuno Tudonner est là et il compte bien faire ce qu'il dit. Et je ne parle pas pour rien, tout simplement. Aïe, aïe, aïe. Bah, en tout cas, vivement, voilà, tous ceux qui sont là en mode, ouais, les champions du monde, ils restent dans leur coin, machin, ils portent les ceintures, bah voilà, vous avez quelqu'un qui va chercher les titres et qui affronte les adversaires les plus durs. Puis comme tu le dis si bien, la victoire aime l'effort, tout simplement. La victoire aime l'effort, et pour être le meilleur, il faut battre le meilleur. Et c'est ce que je me suis toujours donné comme mot d'ordre dans ma carrière. Et j'ai toujours fait en sorte de boxer les meilleurs que je pouvais boxer dans mon chemin. Et aujourd'hui, Nuno Tudonner, aujourd'hui, c'est, on va dire, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance de ma valeur de champion, de me proposer un adversaire de ce calibre. Et je vais faire en sorte d'honorer ma ceinture et la WBC et ma patrie, ma famille. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça qui me motive. Et la victoire de l'effort, un style. Yes! Allez, merci beaucoup, Dordine.